Et j'ai pas envie de le faire. Donc, cachet de whisky, c'est parti. Là, vous allez dire... Bon, ok, je suis tellement habitué au genre de critique que maintenant, j'en ai rien à foutre. Non, je déconne, c'est pas vrai. Donc, je vous aime. C'est pas vrai ce que je dis. C'est l'endroit. Whisky Butch casse le dynamo quelque part tout près. Un dernier mot d'avertissement. C'est toi? Si l'ennemi réussit à transformer le royaume génie en mal, tu dois nous détruire et notre magie avec. Si tu hésites, votre monde tombera jamais dans l'obscurité. Je comprends. Je crois que c'est ce que mes amis m'ont dit. Je ne peux plus penser à moi-même comme à moitié bonne seulement. Tout le monde à Skull Town, Sequinlan, tout le royaume génie compte sur moi. J'arrêterai Whisky Boots à tout prix. C'est parti, mon enfant, je nage dans l'eau. Bon, ok, je dois aller en dessous de l'eau. Commence bien, hein. Je vous dis, ça commence très bien. C'est le silence éternel dans ce niveau. J'ai envie de dire que... Je peux pas passer mes... Putain de merde. Vous pouvez pas me dire en premier que genre je dois prendre la sirène. Genre, ça serait tellement plus simple. Ouais, mais je dois prendre la sirène. Non, mais s'il te plaît, j'ai compris. Ok. Oh. C'est parti comme ça comme niveau. C'est un shooting. Comment bien. Le niveau, c'est un shooting. Pourquoi pas. Ok. Ah. Oh, si t'as pas l'habileté de shooter, tu fais quoi? Tu peux pas réussir les niveaux, non? Probablement, hein. Bon, attendez, je vais prendre mon ami. Voilà. J'ai un ami. Tu peux shooter plus de bulles. Bon, là, ça va bien. Voilà, j'ai un autre ami. Un ami avec moi. On a plein d'amis. Je vais dominer le monde avec tous mes amis. Voilà, lui, là. Oh, je suis rendu à 3 amis. Équipe de natation. Cool. Ça fait tellement penser à Kirby, genre les niveaux. C'est exactement pas... Non, c'est pas exactement pareil. Je dis ça, mais... Ok, là, il y en a quand même beaucoup, hein. Je sais même plus je suis où. Genre, je tire un peu partout, mais je sais vraiment pas j'étais où. Comment je fais pour passer ici? Ok, comme ça, sûrement. Oh, oh, oh! Vous êtes qui? Vous êtes qui, vous? Ok, je sais un peu c'est qui. Tellement que je suis proche des roches, je tire tellement rapidement que genre, c'est n'importe quoi. Parce que j'ai un certain nombre de max de bulles que je peux tirer. En gros, c'est juste ça qu'il faut que je fasse attention de... Quand je suis proche d'un mur, par exemple, ou proche des ennemis, je peux shooter un certain nombre, mais quand il dépasse un endroit particulier, je peux plus tirer. Ils sont chiants, ces ennemis, à lancer des perches un peu partout. J'ai envie d'avoir la paix, c'est tout ce que je demande. Je vais faire du mal à personne. Laissez-moi tranquille. Faites l'amour, pas la guerre. Ok, ça va bien. Je récolte quand même beaucoup de cash en ces niveaux comme ça. J'ai pas envie de me faire taper par toi. Ok. Tout va bien. Mais comment je fais pour... Ah ok, c'est comme ça. Je les élimine genre un à la suite de l'autre et ça fonctionne. Je comprends. C'est ce que j'aurais dû faire tantôt, mais je comprenais pas trop ce qu'il fallait pas. Non. Non. Ah. Ok, j'ai toute ma vie. Oui. Bye bye. Ok. C'est probablement le boss final qui arrive là. Le boss final, le boss final, le boss... Ok. C'est parti, hein. Moi, je suis chaud pour le boss final. Ok, au moins je l'ai tué one shot là-dessus, ça c'est cool. Mais eux ils m'énervent quand même, ça je vais pas vous le cacher. Ok, ça passe comme ça. Tu sais ce que je peux démolir? Non, je peux pas démolir ça. Oh! Bonjour monsieur! Ils ont beaucoup de vie, hein. De toute façon, j'ai ma magie au max, donc ça devrait pas être un problème d'utiliser ça tout le temps, hein. Je suis prêt à dire que quand je change de forme, ouais, je dois sûrement le perdre ensuite. Oh, je pensais que ça allait me faire tomber. On a harpie vers le haut. C'est peut-être pas comme ça qu'il fallait faire, mais... Moi j'ai dit que c'était comme ça, monsieur. Ok. Oui.
La musique est sympa hein, quand même pour Je pensais qu'on pouvait descendre plus bas. Prendre encore le singe. Voilà. Il y a tellement des ennemis qui sont genre hyper durs à tuer. Il y en a d'autres que genre tu tiens un coup. C'est assez n'importe quoi. Tu y penses. Mais bon, ça va bien, ça va bien. On enchaîne bien le niveau. Ouais, on va prendre la harpie. Hein. On va se casser la tête pour passer ici. Ça, ça passe ici. Hop. Ça passe. Oui. Ça, ça passe pas. Mais c'est pas grave. On va voir comment ça lui fait des dégâts. Quand on enchaîne quand même les deux, ça fait. C'est pas si mal, hein. Bon, ok, je peux juste continuer tout de suite sans que ça l'explose. Hein. Ça va exploser en arrière, c'est pas grave. Hop. Voilà, merci. Continue notre chemin. Tu casses pas la tête. Voilà. Risky Boot. Maintenant, on va faire un 1v1. 1v1 irréel, hein. T'es même pas encore là. Je croyais qu'on était rendu à la fin, mais finalement on n'est pas encore rendu à la fin. Ça, je dois voler, je dois pas faire ça. On va y aller comme ça. Oh. Ok. Je sais pas si c'était comme ça qu'il fallait le faire, mais on va dire que si. Hein. Non, je fais la Zex avec l'harpie. Pas le choix d'être avec une harpie. Une harpie de génie. Oh, la slide que j'ai. Oh merde. Bon, ok, ça c'est pas comme ça que je dois faire. Le singe, normalement, ça devrait passer. Oui. Ça passe limite hein, les deux coups. Je m'attendais que ça passe mieux, mais. Dit comme ça, c'est tellement louche. Hein. Je vous l'assure. Hein. Ok. Hop. Chauve-souris, non, harpie. Harpie for the win. De toute façon, je pense que je suis obligé d'être avec l'harpie. Allez. Allez. Ouh. Non. Je pensais que ça allait descendre. Ça semblait tellement une plateforme qui allait descendre. Je me suis juste fait prendre au jeu. J'ai vu le truc descendre, j'ai juste fait comme ok. La merde. Bon, c'est plus de concentration hein, puisque on était bien parti. Là, on fait un petit peu de la merde. Celui-là, je l'aime tellement pas. J'ai comme la pression pour rien. Ok. Voilà, merci. On est arrivé au beau port. Bon, Risky Boots, prise 2, 1v1 irréel, tout de suite. Merci, on dirait que je tiens le bon bout. Je dois être tout prêt maintenant. Bam, bam, bim. Toute ma vie, hein, juste au cas. Arrête-toi juste là, Risky. Alors, tu as réussi à trouver ma Tinker Factory, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Où est la dynamo, Risky? Ho, 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 tu verrais bien assez vite. Ce sont les soins quotidiens de mes Tinker Bats. Mes hommes ont travaillé sans relâche pour déverrouiller le potentiel de la dynamo. Ce sera au-delà de tout ce que ton oncle et ses petites ambitions n'auraient même pas pu imaginer. Mais jusqu'à ce que leur travail soit terminé, je te permettrai pas d'intervenir. Risky Boots, reine des sept mers. C'est parti, Risky. On va te battre. Ça va prendre 2 secondes de toute façon, vous allez voir. Dégâts que je lui fais qu'elle me fait pas. Mais ça c'est ce qu'on dit tous. Oh, c'est joli ce que tu fais. C'est quand même. Hop. Ok, je suis incapable d'esquiver un truc aussi simple que ça. Ok. Wow. C'est pas dans le contrat ça. J'ai l'impression qu'elle se déplace beaucoup plus rapidement là en ce moment. Gros, c'est là qu'il faut que je profite ton max de lui faire des dégâts. Oh, wow, wow! Ce que tu fais, Risky, c'est pas très très cool.
envoie des Tinker Bats, mais je m'en fous complètement. Parce qu'ils se font démolir assez vite, hein. Non, je suis vraiment mieux de rester avec ça, hein. Je pense que c'est vraiment ça qui fait le plus de dégâts, de toute façon. Allez! Nice! Pirate tabassé. Nice! Bon, pour le boss de fin, ça avec toute la magie, simple. Sans la magie, ça serait peut-être autre chose. Ça aurait été quand même assez long. En fait, quand même, je sais pas combien de dégâts je dois lui faire. Dernière chance. Laisse tomber, Risky. Ha! Tu es trop en retard. Pourquoi? Oh. Maintenant, je vais te présenter la phase finale de mon plan. Oh. C'était pas tout. Je m'attendais que ce soit fini, hein. Bof. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ce que c'est que la nouvelle dynamo améliorée. Oh. Bonjour. Qu'est-ce que tu as fait? Mes Tinkerbats ont augmenté son potentiel de toutes les manières. Mon moment de victoire est arrivé. Regarde pendant que je mets ton précieux royaume génie sans dessus dessous. Ho 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 ho. Elle va ouvrir les portes du royaume génie. Je dois détruire la dynamo avant qu'il ne soit trop tard. Tinker Brain, dynamo de la destruction. Ok. Pourquoi pas, monsieur? Ok, ça envoie ça, mais est-ce que je peux... Non, ça, je peux juste les esquiver. Ok, je pensais que c'était si simple d'esquiver, mais finalement, ça l'est vraiment pas. Ah, bonjour. Je sais pas ce que ça fait, ceci. Ok, je dois sauter sur des trucs, non? Ah, je dois peut-être les taper avec l'éléphant. Ça aurait du sens, hein. Ouh là là! On va renvoyer un rayon de l'autre côté, non? Ouais. Ok, normalement, ça devrait être ça avec l'éléphant. Je suis prêt à zéro. Ok, c'est la perspective des engrenages qui sautent, sérieusement, elle est un peu bizarre. Parce qu'en gros, quand elle saute comme ça, t'as l'impression qu'elle va passer hyper rapidement, mais finalement, elle l'est vraiment pas. Regardez, comme ça, et là, ça passe pas. Ça marche pas. Je vais arriver un jour à l'esquiver. J'y crois pas. J'y crois plus. Attendez. Ah! J'ai tellement pas le timing pour esquiver ça. Je comprends tellement pas ce que je dois faire. Allez, on va se transformer en petit singe, comme ça on va aller beaucoup plus rapidement. Comme des fous. Ah, ok, ça doit retoucher son... Non, c'est pas ça. Peut-être ça. Non plus. Et... Je comprends tellement pas ce que je dois faire. C'est what the fuck total, hein. Ah, je dois allumer les autres. Mais oui, c'est écrit dans le ciel. Mais oui, c'est clair, monsieur. Mais je comprends pas comment qui fait pour... Comme en gros, ben, qu'il se fait court-circuiter ou un truc comme ça. Ça, j'ai pas trop compris. Genre, en faisant ça. En courant assez vite pour le mettre derrière. Lui. Je comprends tellement pas comment il fait pour court-circuiter ou un truc comme ça. Je comprends pas trop le principe, la court-circuitation, mais... Ouais, c'est peut-être le laser genre qui le retouche. Ou un truc comme ça. Ok. Ah, on a réussi une fois. Ouais, ça a l'air d'être exactement ça, mais je comprends pas trop la logique dans ce monde. On va dire qu'on comprend. Est-ce qu'on peut tous... Non, on peut pas tous les éliminer. Alors oui, ça serait beaucoup trop cool.
Oh merde. Et c'est vrai avec le singe qu'on se déplace beaucoup plus rapidement. Y'a ta-da-da, ta-da-da. Oh les esquives maintenant. J'ai vu qu'avec le singe c'est beaucoup plus simple. Oups. Je dis ça, la première chose qui arrive c'est que je me fais toucher. Ok. Ok, de l'autre côté. Oh, les esquives. Side steps. Allez, envoie ton laser, s'il te plaît. Non, mais envoie ton laser. Laser man. Laser man. Envoie le laser, quoi. Voilà, merci. Je sais pas trop comment ça l'a fait pour le toucher. Ah, je crois que c'est... Je sais peut-être son engrenage qui sort ou un truc comme ça. Hein. Sait-on jamais ce qui se passe. Allez, il va pas être content. C'est tout. C'est tout le boss final. C'est tout. Dites-moi pas que c'est tout. Dites-moi pas que c'est la fin. Dites-moi pas que c'est fini comme ça. Mais non. Il y a quelque chose d'autre qui va se passer. Ouf. On a eu chaud. J'ai désactivé le dynamo juste à temps. Et le royaume génie, ça n'est sauf. Il va se réallumer. Réallume-toi. Réallume-toi. Hein. Cette voix. Tu t'es battu vaillamment et en temps accompli. Et en tant qu'accompli. En tant accompli, je sais pas. Fille des génies, c'est toi, la voix de mon rêve, tu t'es battu vaillamment. Mm-hmm. Oh. Bonjour, madame. Bonjour, plusieurs dames. Bonjour, tout le monde. De la part de tout le royaume génie, nous te remercions du fond de nos cœurs. Pas moyen. Est-ce que c'est le royaume génie? Malheureusement. Oh, la corruption de notre magie a commencé de faire le nécessaire pour assurer la paix. Oh, 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 je l'ai finalement fait, le véritable cœur du royaume de la magie. Le pouvoir des génies sera à moi. Maintenant, fais-moi une offre. Soumets-toi à moi en tant que maître absolu. Oh, oh. J'aime pas ça. Non, non! C'est des magiciens de l'ombre. Qu'est-ce qui se passe? Non. Ça a marché, le pouvoir des génies m'appartient et le monde s'inclinera devant moi. Ha 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 ha. Je n'ai pas le choix. Avant que Whiskey ne s'empare de leur pouvoir, il faut que je le fasse. Je dois détruire le royaume génie. Ah ouais, on va réduire le royaume génie. Ok, je sais qu'il y a un emplacement là-dessus. On peut pas les toucher, on peut rien faire là-dessus. Mm-hmm. Quand je les touche, je perds la vie. Ça, c'est pas une bonne chose. Ok. Merde. Ok. Quand ils attaquent, ils enlèvent leur truc ou de temps en temps, je peux les attaquer. Aha! Okay, on va juste prendre un truc à bouffer, voilà, merci. En gros, de temps en temps... Merde. Il y en a une de temps en temps qui enlève son truc. On va se rendre jusqu'à elle. Après, je dois prendre ça, c'est ça? Ah non, je dois l'envoyer après dessus. Ok, je comprends, je comprends. En gros, je dois éliminer ça. Et par la suite, si je tire ça... Ok, ça rentre directement dans sa bulle. On s'en fout complètement. Ok, le truc qui tourne. Merde. Ça fait combien, 5 de vie? Ah, je pense qu'il l'a bloqué. Oui, voilà. En gros, je dois vraiment y aller. Quand il a fini de tourner, comme maintenant. Voilà. On doit vraiment quand même prendre... Le temps. Je vais quand même prendre ça pour reprendre la vie. Alors ça, je m'en fous. Ouais. Je vais attendre que ça arrête de tourner. Oui, j'ai le temps de le renvoyer à l'intérieur. Parfait. Parce que si je le renvoie maintenant, c'est ça, il va le bloquer. Voilà. En gros, faut vraiment l'envoyer au bon moment. Allez. Allez. Non! Oh, trop vite! S'il te plaît, j'avais juste à attendre, il y a arrêté maintenant. Voilà, merci. Ok.
Ah, celle-ci. Merci. On va attendre, il va sûrement arrêter de tourner dans le prochain tour. Ok, on la voit quand même. Nous, on est badass comme ça. Logique, j'en vois. C'est trop que ça fonctionne, tu sais. Mais je pense que je vais pas perdre mon temps à essayer de l'avoir quand il faut pas l'avoir. Hein. S'il te plaît, arrêtez de me lancer plein de trucs sur la gueule. Ça va bien jusqu'à maintenant, hein, je vous dis. C'est pas non plus parfait, c'est pas non plus de la merde. Ouais, tu lances des trucs là-bas, tu m'énerves un petit peu. Je pensais que j'allais le manquer. Pourquoi je suis allé du côté qui était juste à côté? Allez, on se tourne, rouvre la porte. La porte elle est ouverte, monsieur! Destructeur de cerveau, on a toujours pas le trophée en argent. Pas une bonne chose ça. En argent, en or, platine, tout ça. Bref, tout au complet. De toute façon, le platine c'est sûrement qu'on croit à 100%. Espèce d'imbécile, avorton fouineur, je crois. Ça, c'est pas trop. Tu as tout gâché, mon plan parfait. J'avais presque tout. Mais maintenant, j'aurai la satisfaction de tomber directement dans ta tombe ardente. Oh, ha, ha, ha. Est-ce qu'il va falloir que je me batte contre? Ah. Bye. Je dois sortir d'ici. Ben oui, non. Ça serait peut-être une bonne idée. Oh, le hamster zombie. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, c'est le hamster zombie. J'ai obtenu un hamster zombie. On est trop cool. Accroche-toi bien, nous sommes en train de sortir d'ici, dépêche-toi. Salut. Parfait. Ah merde, ça c'est moins parfait plutôt. Allez, vraiment, le hamster zombie, je pense qu'il va sauver ma vie. Tu sais, des trucs qui vont me tomber dessus, c'est de la lave. Il a l'air d'avoir de la lave. Ça a l'air de la lave. Est-ce que c'est de la lave? Oui, c'est de la lave. Pourquoi il y a de la lave? Quoi? Merde. Ouh! Ok. Donc on peut juste s'accrocher là-dessus et rester en vie pendant un bon bout de temps. La lave se rapproche. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh merde. C'est chaud ça. C'est pas en parlant de la lave derrière. Hein. C'est pas un mauvais jeu de mots très très plus rigolo à faire. Hein. J'aime pas le fait que je vois pas ma vie. Non! Je dois recommencer en plus du début. Pourquoi ça existe des glissades comme ça, s'il vous plaît, dans les jeux vidéo? Ce serait plaisant qu'il y ait au moins, genre, de temps en temps, une deuxième chance. Désolé. Bon. Je me concentre un petit peu. Ce niveau, je m'en ai regardé, il était quelle heure, mais j'ai pas trop le temps comme vous pouvez voir. Non, accroche-toi. Merci Chanté. En gros, ça c'est la petite pratique pour t'accrocher sur le deuxième qui va arriver, hein, parce que le deuxième c'est genre si tu manques ton coup, c'est fini, finito, esposito. Oh putain, il est chaud à prendre. C'est genre tellement une question de vie ou de mort, hein, vraiment le truc du crochet. Hein. Ça le premier, ça le deuxième, ça le troisième, et là normalement il fallait que je saute. Dis-moi qu'il n'y a plus rien là, dis-moi qu'il n'y a plus rien, dis-moi que je suis fini. Non, pas fini, encore. J'ai mal aux yeux, c'est tellement proche. Non. Ouh. Oh, je pensais qu'il y avait un trou. Oh, les derniers. Dernier m'a tellement fait peur, mais genre tellement rapido. Oh, il y a Sky qui est venu nous sauver à la fin. Salut, je me casse. Tout est bien qui finit bien. Non, peut-être pas non plus. Hein. Ouf, on a réussi. On a échappé belle, on a eu chaud. Merci pour le transport, Sky. Quelqu'un doit garder un œil sur toi. On dirait que Sequin Land est sauvé du mal une nouvelle fois. Et oui, grâce à notre héros Mijini.
Je n'aurais pas pu y arriver sans vous, les mecs. Attendez un peu. Monsieur le maire? Alors, Skeleton est plus ou moins réparé et le poste de génie gardien est encore à pourvoir. Êtes-vous en train d'essayer de demander quelque chose à Shanté, monsieur le maire? Bon, d'accord. Je ne peux penser à quelle personne de plus qualifiée que toi. Est-ce que tu reviendrais? Assez vite, s'il te plaît. C'est comme si je n'étais pas jamais parti. Ouf, j'ai pensé que je devais porter ce petit costume rouge et commencer à danser, tu sais. Oh, monsieur le maire. Donc j'imagine que je vais pas avoir à faire ça, alors. Ouais. En tout cas, tout le monde passe le bonjour au nouveau génie. Gardien. Parce que l'autre dernier. Ouais, parfait, hein. Je pense que nous avons fait un excellent choix. Les enfants! Merci, mon dieu, vous êtes revenus en un seul morceau. Lorsque j'ai vu l'éruption, j'ai eu peur de vous avoir perdu. Je vais bien, c'est Colquillen, et sauf grâce à vous, les gars. Ouais, j'ai beaucoup d'idées à aider cette fois-ci. Je me sens assez héroïque, vous savez. Je pense que je vais monter un dozo et commencer à entraîner la prochaine génération de héros. Il faut rêver en grand. Mais oui, totalement. Je vais partir aussi, mes frères, Abdin Repo. Ils pensent à rénover cette vieille demeure dans le nord. Comme, c'est cool. Je vais les aider, mais après ça, eh bien, je pense que je vais chercher la caravane zombie et voyager un peu. Mon wagon me manque, ça existe tellement pas. Et je veux voir d'autres parties du monde, et je veux que vous veniez avec moi. Un road trip zombie? Bien sûr, pourquoi pas. Ah, laisse-moi y réfléchir. Prends soin de toi, Dookie. Hein? Le hamster de peau. Ben oui, c'est vrai, j'ai encore le hamster zombie. J'aurais mieux d'y aller aussi. Je dois mourir un wrench et le nettoyer. Tu ne m'as jamais dit comment il était devenu si énorme. Quel est ton secret? C'est un régime spécial, du caramel salé pour les oiseaux. Wrench en est fou. Ah, je vois. Je pense que je vais te libérer un peu pour qu'il prenne un peu de temps avec sa famille. Connaissant Wrench, il ne sera pas parti longtemps. Il t'adore. Et je l'adore au tout ton temps, n'est-ce pas, Wrench? Mais il est où? Bonjour, oncle. Oh là là, quelle aventure tu as eue. Je suis désolé pour Dynamo, mon oncle. Oh non, non, ce n'est pas grave. Ça va? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas? Risquer d'utiliser des dynamos pour changer le royaume génie de bon à maléfique. Pendant un court instant, j'étais en fait là-bas au royaume génie avec eux. C'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Mais pour arrêter Risky, j'ai dû... Eh bien, ils sont tous partis maintenant. Je suis désolé. Je sais que tu n'as fait ce qui était nécessaire. Ce que tu as dû faire, tu comprends? Je suis sûr que ta mère serait très fière de toi. Nous sommes tous fiers d'elle. Quoi? Qui? C'est le royaume des génies. Elle agit généreusement en plaçant les besoins des autres avant les siens. Alors, le royaume génie est sûr? Oui. On purifiant notre magie et en la retournant contre la machine, nous a tous sauvés. Ouais, je crois bien que ton polarisateur a fait le travail, mon oncle. Ah, en effet. Et maman? Elle est en sécurité aussi? Ta mère est en vie et en bonne santé au royaume génie. Elle a consacré sa vie à la protection de notre monde. Elle et les autres génies doivent rester là, ici, où la combinaison de leurs pouvoirs est capable de repousser les pires fléaux, car ceux-ci pourraient de nouveau chercher à pénétrer dans votre monde. C'est pourquoi elle a dû partir il y a si longtemps avec les autres génies. C'était pour nous protéger? Oui, pour que tu puisses grandir en toute sécurité au bon soin de ton oncle. Elle voulait que tu le saches, mais seulement lorsque tu seras assez grande pour comprendre le sens de son sacrifice. Je comprends. Elle veut aussi que tu saches que tu ne seras jamais seul. Il y a une magie spéciale, un cadeau qu'elle a placé sur ton cœur. Vraiment? Ta famille n'est jamais aussi loin que ce que tu pourrais penser. Rassure-toi, sachant qu'elle est avec toi toujours et qu'elle t'aime beaucoup. Comme c'est mignon. Et maintenant, je dois retourner au royaume génie. Si vous voyez ma mère, dites-lui que je comprends ce qu'elle a fait pour nous et que je l'aime tout autant. Je vais lui dire bonne chance. Et à toi aussi. Allez, mon oncle. Où est-ce qu'on s'en va? Bah, célébrer, bien sûr. Et chercher un nouveau habit moins dangereux. Hé, hey, ça me fait penser. J'ai récemment retrouvé les plantes de quelque chose qui s'appelle un vélo. Pour mon prochain projet, je vais en fabriquer un. Pourquoi pas, hein? Quand même pratique, un vélo. Hein. Ok, ça marche, mon oncle. Attends-moi de pied ferme. Et la lumière, on la laisse tout seul. À la prochaine, fille des génies. Au revoir et à bientôt. Ah là là, nous allons dans le royaume des génies. Quand même, quand même. C'est le temps de chanter. Non, c'est pas le temps de chanter. Donc, on a fini. Chanter. Étonnamment, on a fini. Pas 100%, puisqu'il me reste quand même deux trucs à trouver dans le château d'Itno Baron et Merit Fall. J'ai pas trouvé, malheureusement. Donc, c'est pas 100%. Pas fier de toi.
Mais bon, quand même assez cool. On peut pas skipper ça. Pourquoi on peut pas skipper les crédits? Pourquoi on peut pas skipper les crédits? De toute façon, il doit pas en avoir tant que ça, mais... Le seul moment que j'aimerais pas skipper les crédits, c'est quand que je vais faire ukulélé parce que je suis dans les crédits. Ça va être aussi bien que ça. On va essayer de chercher notre nom, ça va être la seule chose à chercher. Mais bon, je vais finir là-dessus s'il y a quelque chose d'autre par la suite. Ah, c'est déjà fini? Ah non, c'est pas fini. Merde. J'étais sûr certain que c'était fini. Je suis un petit peu triste. Je peux pas descendre plus vite, s'il vous plaît? Non, pourquoi? Ah, voilà, thank you. All for your backers. Donc en gros, ça c'est toutes les backers qui étaient juste avant, je pense. Ça c'est les in-game contributions. Donc c'est toutes les personnes qui ont fait des dessins. Il y en a quand même beaucoup. Hein. Mm. Je regarde les pseudos et ça me fait quand même assez rire sur certains trucs. Bah, ça c'est toutes les backers. Il y en a quand même beaucoup. Hein. Ça c'est toutes les A. Je dis quand qu'il va avoir ukulélé de me chercher là-dedans. Là. Mm. Et toutes les noms, s'il te plaît. Ah, il y en a un, c'est Anonymous. J'ai envie de voir s'il y a genre des noms un peu cons, quoi. Pour le moment, j'essaie de voir, mais il n'y en a pas. Mais Bruno Alferzo, Charverrière et Nerdes. C'est quand même assez intense comme nom. Chris. Bon, là, il y a plein de Christopher, ça ne finit plus. Et c'est quand même juste dans les cils, on est juste rendu dans les dés. C'est fou quand même toutes les gens qui ont backé quoi. On est rendu dans les E. Full power Miku Miku. Quand même pas si mal ça. Grandpa Esro. Quand même, quand même. Ça aurait été drôle qu'il y ait comme un Harry Potter ou un truc comme ça, genre un nom complètement genre. Random quoi. Bon, comme je vous dis, je vais laisser les crédits aller et on va voir ce qui va se passer par la suite, hein, s'il y a quelque chose de spécial ou non.